Et yo les gars, c'est The Mister Black. J'espère que vous allez bien pour ma part, les amis. Je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau commentaire sur la chaîne de Team Rage qui, j'espère, vous fera une nouvelle fois plaisir. Parce qu'en ce moment, je vais pas vous le cacher, on dirait franchement un petit fantôme, un petit ghost au niveau de la rage, parce que je vous fais pas de vidéo, je vous fais pas de commentaires, je vous fais pas de sujets intéressants. Normalement, c'est mon taf au niveau de la team, mais les gars, je vous promets, je reviens en force pendant ces vacances de Noël en espérant que ce commentaire là vous fasse plaisir. La petite raison pourquoi j'étais franchement un petit fantôme, un petit ghost en ce moment depuis quelques semaines, c'est le manque de motivation. Et pour moi, le manque de motivation, ça représente un néant au niveau de mon cerveau. J'ai vraiment pas envie de faire de vidéos, et pour moi, quand j'ai pas envie de faire un truc, c'est comme si, en fait, si je vous le faisais, mais si je savais que j'allais faire du caca. Voilà, j'allais faire de la merde. Et quand j'ai pas de motivation, je vous fais une vidéo, ça allait genre être un truc vraiment pourri, sans peps, sans motivation, sans sujet. Franchement, un truc à la one again, à l'arrache. Ce qui prouverait franchement que je m'en bats les steaks de vous. Mais c'est pas le cas. Moi, quand je fais un commentaire, j'aime que ça passe. Même s'il y a des dislikes sur la vidéo, même s'il y a pas beaucoup de likes, même s'il y a vraiment des dislikes, ça me dérange pas. Tant que je sais que j'ai pris du plaisir à vous faire la vidéo, et tant que je sais qu'il y a des ressentis au niveau des commentaires, c'est ce qui compte vraiment. Au niveau du gameplay, les gars, franchement, un gameplay de fou furieux, comme on dit, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Rage Ghost Killer, qui va nous réaliser une double DNA fail à la RX viseur laser en domination 6v6 sur la map Rio. Pourquoi je dis fail? Parce qu'il y a une série où elle est fail, et la deuxième, il réussit sa DNA, franchement. Un ennemi lui a broc sa première série, ce qui est franchement malheureux. Petit détail sur le gameplay, vu que la première série de la DNA a été fail, je me suis dit, je vais pas leur mettre 11 minutes de gameplay, 11 minutes de commentary, ça sert vraiment à rien du tout, sachant que le sujet que je vous ai trouvé aujourd'hui n'est pas vraiment très 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 intéressant, mais il me tenait à cœur vu que nous sommes en période de Noël. Vous verrez ça par la suite de la vidéo, voilà. Donc je me suis dit, mais alors seulement la série et la DNA, une série, franchement, une partie de la vidéo, une partie du gameplay franchement très intéressant, parce que lui full rush, il gère bien les ennemis, il fait franchement des très 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 bons déplacements, ce qui me permet de voir comment le jeu se passe, de voir comment... voilà, pouvoir rattraper les ennemis, etc, etc, sur le jeu. Donc j'espère que vous allez mettre un petit like pour le gameplay de Ghost Killer, et pourquoi pas aller faire un tour sur sa chaîne YouTube qui sera en description de vidéo, bien évidemment. Comme vous le savez tous, en ce moment nous sommes en période de Noël, les amis, et je me suis posé deux petites questions, deux petits trucs que j'aimerais bien que vous fassiez, que vous y répondiez, voilà. La première, vu que nous sommes en période de Noël, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que représente Noël pour vous, et qu'est-ce que vous avez commandé à Noël, que vous soyez adulte, adolescent, encore enfant, voilà. Donc si c'est la PS4, la Xbox One, Advanced Warfare ou autre. Pour ma part, voilà, j'ai commandé la PS4, Advanced Warfare, qui normalement arrivera, ce qui me permettra de jouer avec les membres de ma team Rage. Voilà, ça me fera vraiment super plaisir de pouvoir tester le jeu que je n'ai pas encore pu tester, malheureusement. Franchement, ça me dégoûte un petit peu, mais bientôt ça va arriver, et j'espère que je pourrai vous faire des gameplays, enfin sur ma chaîne perso, enfin bref, ça reste à part. Le deuxième truc, j'aimerais bien qu'en commentaire vous me fassiez un petit bilan pour ceux qui ont déjà eu le jeu sur PS3, Xbox One, Xbox 360 ou PS4, pour ceux qui ont déjà eu Advanced Warfare, un petit bilan depuis sa sortie, comment vous avez kiffé le jeu, quelle map vous préférez, quelle arme vous préférez, etc, etc, si vous avez réussi à faire des DNA ou pas. Je regarderai tout ça dans les commentaires de la vidéo, et j'y répondrai un maximum, et j'espère, pourquoi pas, me fonder un avis franchement assez potable sur le jeu, même si je le kiffe déjà un truc de ouf. Bon les gars, la vidéo s'achève déjà, vous allez voir le scoreboard à la fin et voir le petit menu qui va vous afficher le double, la double DNA fail, voilà, sa série A25 et sa série A30 qui est donc une DNA réussie, voilà. Donc les gars, je compte sur vous pour liker la vidéo, la commenter, la partager un maximum, ça fera vraiment super plaisir de faire un petit tour dans la description de la vidéo, soit pour vous abonner à Ghost Killer ou vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fera vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était The Mister Black, peace.